Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien et que ce mois de janvier s'est bien passé pour vous et pour vos colonies, qu'il n'y a pas trop de pertes, voire pas du tout, c'est l'idéal. Pour les conditions climatiques, nous on sort d'une période là venteuse, il a fait froid à cause du Mistral, ça y est aujourd'hui ça souffle un petit peu mais c'est très très léger. Donc systématiquement, les températures remontent et les abeilles prennent de l'activité, ce qui est normal, c'est de saison. Donc j'espère que pour vous, c'est la même chose, sinon vous laissez dans les commentaires. Et puis comme ça, tout le monde aura une vision de ce qui se passe un petit peu partout en France. Donc, je vais vous montrer l'activité là sur une ruchette. Pour dire quand même que ça bouge un petit peu et on attaque. Petit rappel pour les nouveaux abonnés, ce qu'il faut faire quand on arrive au rucher dans la période hivernale. Première chose, regardez votre rucher, l'état global. Est-ce qu'il n'y a pas une branche qui est tombée sur un toit, d'une ruche, etc. Est-ce que tous les toits sont en place? Une fois que cette partie est conforme, vous passez derrière les ruches, sur les côtés, vous regardez s'il n'y a pas un prédateur qui a essayé de pénétrer dans la ruche, un pic-vert, de faire un trou, etc. Il y a plein de prédateurs. Ensuite, vous passez sur le devant. Sur le devant, vous regardez l'activité. Donc, aujourd'hui, comme on sort de plusieurs jours de Mistral, comme vous pouvez les voir sur celle-ci, ça c'est une ruche, hein. C'est pas une ruchette, c'est une ruche. On voit qu'il y a beaucoup d'activité. Donc, l'activité, là vous voyez qu'elle tourne les abeilles devant, il y a beaucoup de vols de propreté qui se fait là. Donc les déjections qu'on va retrouver sur la ruche, on regarde si ça ne coule pas, si c'est conforme, si elles n'ont pas de maladie à ce niveau-là. Donc là, il n'y a rien d'anormal. On ne sent pas une agressivité spéciale de la ruche. Vous voyez, je peux mettre ma main devant. Elle ne vient de pas me piquer, hein. Elle l'évite, elle rentre, elle sort. Alors, en cette période, il faut savoir aussi que les abeilles sont toujours un peu plus joueuses. Quand je parle de joueuses, c'est qu'elles vont plus tendance à piquer. Parce que quand vous êtes sur des vols comme ça, elles vont venir sur vous, elles vont vous taper sur le visage, se bloquer dans vos cheveux. Donc, elles piquent plus facilement. Et quand on s'approche un petit peu trop des ruches ou quoi, on peut être considéré comme un prédateur et elles vont quand même avoir l'instinct de garder leur nourriture. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon contrôle sur l'activité. Tout se passe bien. Donc, à ce niveau-là, je suis tranquille. Donc maintenant qu'on a contrôlé les points de contrôle classiques en arrivant sur le rucher, la deuxième chose qui est importante dans ce mois de février, c'est le poids des réserves. Donc si vous avez, entre guillemets, pour les nouveaux apiculteurs bien travaillés, que vous avez pesé vos ruches, vous savez combien elle pèse à vide avec des cadres, et ensuite il n'y aura plus que la colonie et le miel. Et donc la colonie, vous n'avez pas rajouté 5 kg pour une colonie, donc il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous avez déduit le poids de votre ruche globale et la ruche avec tout ce que vous mettez d'habitude, plus les cadres, vous enlevez, on va dire, 1,5 kg ou 2 kg. Vous enlevez 2 kg pour les abeilles et la cire qu'elle rajoute sur les gaufres qu'elles vont étirer. Allez, vous dites 2 kg, même si ça vous arrange, vous allez à 3 kg. Hein. Et puis, la différence, ça va être le poids de vos réserves. Donc, vous contrôlez bien ce poids de réserve, surtout au mois de février, parce que là, la ponte est repartie. La ponte est repartie, il y a des abeilles qui naissent, surtout après la deuxième quinzaine de février, et les ressources sont encore faibles. Les noisetiers, ça y est, sont en fleurs. Nous, le romarin, on a des romarins qui sont en fleurs. On va bientôt avoir, après la mi-février, les abricotiers, début février, les amandiers, etc. Mais dans beaucoup de régions, la nourriture n'est pas encore assez abondante pour pouvoir nourrir toutes les naissances qui vont arriver. Les naissances, les abeilles jeunes et les larves aussi. Donc, bien contrôler votre poids et n'hésitez pas à nourrir
s'il y en a besoin. Jouez pas au kilo près. Après, si elle a encore 5 kilos de réserve, ne nourrissez pas. C'est pas le but. C'est pas le but de dire je mets 2 kilos, j'ai 5 kilos, 2 kilos, ça fait 7 kilos, je suis tranquille. Non, si elle en a assez avec ce qu'il reste, ne pas la nourrir. Alors, pourquoi ne pas la nourrir quand elle n'en a pas besoin? Mais c'est un petit peu du bon sens. C'est-à-dire que l'abeille, si vous y rajoutez du candy, elle va normalement en premier aller manger votre candy et garder ses réserves. Donc, ça veut dire qu'elle va avoir des cadres encore pleines de réserves. Bon, si c'est comme moi que les ruches qu'on a vues juste avant, elles sont hivernées sur cette cadre et que vous faites comme ça et que vous vous retrouvez avec beaucoup de réserves après par la suite, vous n'aurez jamais de blocage de ponte parce que vous allez rajouter des cadres. Les cadres que vous allez rajouter, elles vont venir, la reine va venir y pondre dedans, etc. Mais vous allez avoir ce miel dans votre corps de ruche. Et ce miel peut devenir embêtant quand vous allez avoir les fortes mielées. C'est-à-dire que la reine va faire, théoriquement, dans beaucoup de cas, suivant les races d'abeilles, la reine fait remonter ce miel dans la hausse et vous allez le récolter pour faire de la place dans le corps. Le problème de ça, c'est que vous avez fait du traitement et que votre miel sera chargé, si vous faites comme moi, avec des lanières à la pitrase, votre miel sera chargé d'apitrase dans la hausse que vous allez récupérer et que vous allez consommer. Pas très bon, hein? Ça, c'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je vous dis de faire attention aussi au nourrissement. Voilà. C'est le petit cas de figure. Pareil, dans les réserves, suivant la race d'abeille, ça consomme plus ou moins. Une abeille noire, une caucasienne, moi j'ai quelques caucasiennes, les caucasiennes, qu'il en reste 2 kilos, c'est comme si la bœuf, il restait 5 kilos. Hein. La caucasienne, elle va normalement pas mourir de faim, mais elle va arrêter sa ponte en fonction des réserves. Donc, votre colonie ne va pas mourir, mais par contre, elle sera plus longue à repartir parce que vous ne l'aurez pas nourrie au bon moment. Alors, c'est pour ça que la question de dire « j'ai tant de poids, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?» La région, les floraisons que vous avez, l'époque des floraisons et la quantité de nectar de miel que va pouvoir rentrer. La race d'abeille est très importante, la race d'abeille. Comme je vous dis, une caucasienne, une noire, ça consomme pratiquement rien. Bon, les bucks, il faut les surveiller, parce que les bucks, ça consomme. En cette période, moi, ça y est, elles sont parties, elles pondent, ça consomme. Et si ça ne rentre pas, qu'on a un mauvais temps, ou que les floraisons ne sont pas là, ne sont pas au rendez-vous, eh bien, vous avez de la casse. Vous avez de la casse. C'est pour ça que je vous dis, soyez vigilants en ce mois de février. Ce mois de février va vous conditionner un petit peu toute votre saison. Hein, toute votre saison, le retard que vous perdez au démarrage, vous ne le récupérerez pas. Hein. Si vous perdez 3 semaines de ponte ou 4 semaines, vous ne le récupérerez pas. C'est pour ça que si vous faites les choses bien planifiées, bien organisées, bien contrôlées, avoir l'habitude, c'est bon. Vous aurez tout au bon moment. Vous savez, vous perdez 3 semaines parce que vous n'avez pas nourri ou autre, et vous avez eu froid, des conditions climatiques pas bonnes et vous n'avez pas su anticiper parce que vous êtes débutant, c'est tout à fait normal. Et puis chaque année est différente d'année d'avant. Donc ce qu'on a fait l'année dernière, on ne va pas dire je vais faire un recopier pour cette année. Il faut s'adapter aux conditions. Donc voilà. Donc soyez bien vigilant au mois de février, parce que si vous prenez du retard, vos abeilles, quand vous allez être sur le pic d'activité de vos abeilles, quand vous aurez toutes vos butineuses, une grande quantité de butineuses, si c'est après la floraison que vous avez, c'est trop tard. Donc, j'arrête là-dessus, parce que je vais être un petit peu trop long sur ce sujet, et je pense que vous avez bien compris que c'est important. Donc, comme je vous ai dit, la ponte a repris. Moi, à partir de mi-janvier, je mets des fonds de ruches
dans les plaines chez Nico. Pourquoi ? C'est pour que la température augmente à l'intérieur de la ruche et que les abeilles consomment moins pour réchauffer et plus de nourriture pour nourrir les abeilles qui vont naître. Parce qu'avec cette température qui va être artificiellement relevée, parce que je coupe l'aération, quoi, je la coupe entièrement, ça coupe une partie de l'aération, ça augmente la température, ça demande moins d'énergie aux abeilles, moins d'énergie, moins de consommation, température qui augmente, les jours qui se rallongent, la reine a le signal, elle pond. Donc, j'augmente la ponte. Pareil en février, suivant les régions, hein, ça c'est suivant les régions, mais sur la fin février, après le 15 février, suivant les saisons et les températures que l'on a, on peut les stimuler au sirop. Hein. Alors là, c'est quelque chose que je déconseille de faire si vous faites du, entre guillemets, du miel, mais comme moi dans l'élevage, on commence, s'il y a besoin, de mettre du sirop pour les stimuler. Alors, moi, pour ne pas amener ce sirop, qui n'est pas naturel, ce que je fais, c'est que je déplace mes ruches sur les abricotiers. Donc, ça les booste, c'est une forte floraison, mais sur une courrier petite durée. Pas courrier, mais durée. Sur une petite durée. Mais par contre, ça permet de rentrer beaucoup de miel et du pollen. Donc, juste après, la reine pond énormément. Si je nourris, moi, c'est après l'abricotier, de voir si les floraisons sont au rendez-vous. Normalement, on a beaucoup de floraisons, donc si tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a un gros coup de froid entre et qu'on se retrouve comme l'année dernière, là, il faut que je nourrisse au sirop pour redonner un équilibre à la colonie. J'ai eu aussi des questions de savoir à quelle température on ouvre les ruches et ne nous ouvre pas. Bon, nous, dans la partie sud-est, on est privilégié à ce niveau-là des températures. Hein, donc, on peut les ouvrir bien plus tôt que les régions les régions du nord en remontant sur la France. Hein. Alors, dans ceux qui sont en Côte d'Azur vont vous dire qu'Avignon, c'est le nord. Moi qui suis là sur les ruchers, en face d'Avignon, mais côté Gard, je vais vous dire que le grand nord, c'est Lyon. Alors, chacun met le nord en dessus là où il habite. Hein. Plus difficile quand on est vraiment dans le nord de la France, pas de Calais, de dire qu'en dessus c'est encore plus le nord parce qu'on va changer de pays. Donc c'est en fonction des conditions climatiques et des besoins. Donc moi actuellement, je n'ouvre pas les ruches. Hein. Je n'ouvre pas les ruches, je passe devant, je regarde l'activité. Si j'ai un doute, je vais remettre, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est dans la queue faire rucher en janvier, je vais remettre sous le fond de ruche pour regarder la désoperculation, s'il y a une désoperculation. S'il y a désoperculation, ça veut dire qu'il y a encore de la vie. S'il n'y a pas de désoperculation, ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans la ruche et il n'y a plus de vie. Si je vois des opérculations, j'essaie de voir la grosseur que ça a fait. Alors, je ne laisse pas pendant 15 jours. Hein. J'essaie de voir la grosseur que ça a fait pour me donner une idée de ce qui reste comme abeille. Si je vois que la grosseur, en fonction de la période où on est, ça doit le faire, ça va aller jusqu'au bout, ça ne m'indique pas s'il y a une reine. Mais je ne vais pas ouvrir pour voir si j'ai vu une reine et vu si elle a pondu. Je vais attendre un petit peu pour ouvrir en toute tranquillité. Mais comme je vous dis, ça dépend des régions. Comme on dit, plus au sud, ils peuvent le faire plus tôt que moi. Plus au nord, vous allez le faire plus tard que moi. Donc adaptez-vous à vos régions et aussi à votre race d'abeilles. Il y a des races d'abeilles qui commencent plus tôt. Il y a des races d'abeilles qui sont plus tardive. J'ai eu des abeilles noires. Les abeilles noires étaient plus tardives. Donc, il ne faut pas lui demander qu'elle ait autant de couvains que d'autres races à la même période. Une abeille noire, si on prend une abeille noire,
locale, régionale, hein, qui est vraiment de sa région, parce que l'abeille noire, vous pouvez en faire venir de n'importe où, hein, mais qui est vraiment de sa région, et qu'elle a toujours été de souche en souche, elle est de cette région, c'est vraiment une autochtone. Elle démarre en général en fonction des futurs mielés à venir. Par exemple, moi, je les avais en Ardèche. En Ardèche, elle venait tardivement. Déjà, c'est plus froid. Et en plus, la grosse mielée, c'est le châtaignier. C'est une mielée qui est en juin, à partir de la mi-juin, quoi, ça attaque. Hein. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir des abeilles en février. Ici, sur le rucher du Gard, avec les abricotiers, on a des abeilles qui sont plus précoces. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est dur de pouvoir répondre exactement à tout le monde, savoir tous ces critères. Et quand on parle de mielée, c'est le mielée, c'est le vrai mielée. C'est pas quatre arbres, c'est des hectares et des hectares d'abricotiers. Donc c'est pour ça. Donc soyez vigilants aussi là-dessus. Et il faut prendre son mal à patience. Moi aussi, j'ai envie d'ouvrir mes ruches, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dedans, comme tout le monde. Quand on a... le virus de l'abeille, hein, pas le Covid, quand on a le virus de l'abeille, son plaisir, c'est aussi d'aller regarder ce qui se passe dans la ruche. De regarder sans être intrusif et sans gêner à la colonie de vivre et de se développer, hein, bien sûr. Donc allez, la conclusion. Un petit rappel de tout, j'arrive au rucher, je contrôle, je vérifie que tout est en ordre, les ruches, pas de branches qui sont tombées, les toits sont bien en place, je passe derrière, je regarde sur les côtés, je ne vois pas qu'elles ont été attaquées par un prédateur, je regarde sur le devant, je regarde si j'ai de l'activité, si c'est une journée, bien sûr, ensoleillée et que les abeilles doivent sortir avec des températures assez hautes. Si j'ai avec du soleil qui fait moins 2, oui, vous pouvez en voir une ou deux qui va sortir, mais les pauvres, elles vont peut-être au ski, hein, mais elles ne vont pas faire grand-chose, sinon, ou du pâté à glace. Hein. Mais c'est normal que vous n'allez pas en voir. Donc, vous avez vu que moi, aujourd'hui, après ces jours de Mistral, je vois pas mal d'activités sur les ruches. Donc, je regarde cette activité. Je regarde aussi que toutes mes portes soient bien en place. Qu'il n'y ait pas un mulot, si j'ai une porte qui a été soulevée, qui a été déclenchée ou que j'avais mal mise. Là peut-être que dès que j'ai... là, on est dans la matinée, mais cet après-midi, que je pense que les températures vont être plus hautes, j'irai quand même vite voir à l'intérieur s'il n'y a pas des mulots qui sont rentrés pour nicher qui vont peut-être me tuer ma colonie. Donc voilà. Regardez ça. Bien sûr, numéro 1, le poids des réserves. Beaucoup de consommation en ce mois de février. Pour moi, début février, mi-janvier, début février au plus tard, les fonds pour aider la ponte et garder la chaleur et diminuer la consommation. Je nourris s'il y a besoin en fonction du poids. J'anticipe pas, je vous l'ai dit pourquoi. Mais là-dessus... tout le monde va avoir un petit peu son point de vue. Vous pouvez le laisser parce que le mien, c'est le mien. Il a de valeur pour moi. Mais si vous avez une autre vision en disant que même si vous faites ça, que le monte le miel, que l'apitrase, ou vous ne servez pas d'apitrase, c'est complètement différent. Hein, c'est complètement différent. Mais laissez-le en commentaire. Ça sert aussi à toute la communauté. Donc, on a plusieurs points de vue, ce qui est toujours intéressant. Donc voilà, c'est le mois février, c'est le mois de la reprise. Hein. Donc, ne pas le louper, sinon, si on prend du retard, ce retard, il va se décaler. Alors, si c'est du retard climatique, que ça décale la saison, vous allez le suivre. Il n'y a rien de grave. Mais si c'est parce que vous n'en avez pas anticipé, que vous avez fait, malheureusement, quelques erreurs, ce qui arrive à tout le monde, hein, mais moi, j'ai fait des erreurs. Hein, je veux dire, vous n'êtes pas les seuls, hein, à faire des erreurs. Alors, c'est vrai que quand on est nouveau, on risque d'en faire plus. Voilà. Donc, tout faire au bon moment. Voilà. Nous arrivons à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt, les apis.